L'ECC, paroisse El-Nissi, 4e CFMC de la commune d'Engaba, ont été honorés le dimanche 23 septembre dernier par la présence du ministre des Affaires foncières, Lumeya Doumalegui, venu prendre part au kit d'action des grâces célébré ce jour sous le thème « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Thème sur lequel l'orateur du jour appelle les fidèles de ne pas être influencés par les dits de ces mondes, mais plutôt la voix intérieure, celle de Dieu vivant, qui dissipe toute ignorance. Prenant la parole, le ministre congolais des Affaires foncières, Lumeya Doumalegui, a tenu à présenter à l'Église les candidats DDC aux législatives nationales et provinciales, respectivement pour les comptes du district du Moamba et de la commune d'Engaba. François Ndeke, l'homme idéal, dit-il, pour le développement de la commune d'Engaba. Ndeke, c'est un jeune homme dynamique, intelligent, perspicace. Et il a la lucidité politique. Je crois qu'il a un bel avenir. C'est un bon leader qui sait rassembler le peuple. C'est comme ça que nous l'avons retenu parmi tant d'autres. Nous sommes venus ici pour qu'il soit présenté devant le peuple de Dieu, parce que vous savez que nous les Mennonites, quand nous prenons un engagement, nous savons le respecter. À l'approche donc de la date fatidique du 23 décembre 2018, la DDC, partie chère à Jean-Marie Ingele Ifoto, affiche déjà les armes pour une victoire certaine à tous les niveaux des élections en République démocratique du Congo.